Oh, qu'il est beau cet album photo de famille! Félicitations, bébé! T'as un nouveau papa maintenant. Dis adieu à l'ancien. Quoi? Non, bébé, c'est pas ce que tu crois. Joyeux anniversaire, bébé. Fais un vœu. Je veux que mon papa revienne chez nous. Je vais t'aider. Tiens ton cadeau. Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est trop cool ça, un club de golf. J'en ai toujours rêvé. Chérie? J'y vais! Encore lui, mais qu'est-ce qu'il veut? Je suis là pour l'anniversaire de ma fille. Et j'ai des cadeaux. J'adore les cadeaux. Quoi? Attends un peu. Strike! Oh, un cadeau de papa! Dis au revoir à papa. C'est moi ton nouveau papa. Dans le mille! Quoi, ma poupée? J'ai gagné! Beau papa contre la famille. 1-0. T'as cassé ma poupée! Oups! Je suis désolée, bébé. Tiens, ta nouvelle poupée. Je déteste mon beau-père. Mon rêve tout rose est à deux doigts de se réaliser. J'ai presque assez d'économies. Attention, mon pick-up, j'arrive. On va bientôt se retrouver. Bien, bien, bien. J'entends un bruit. Ça y est! J'ai enfin trouvé le trésor! Je vais être millionnaire! Mon rêve est devenu réalité! Vite! Il y a quoi là-dedans? Où est mon trésor? Il n'y a rien? Incroyable! Ce lit a forcément un double fond. Et je vais le trouver! Quoi? Une tirelire? C'est tout? Désolée, bébé. Je me battais contre les termites et elles ont mangé tout ton lit. Ah, la sonnette, ça tombe à pic. C'est qui? Leur voilà. Je suis là pour voir ma fille. Oh, mon casque! T'as dit quelque chose? Tiens ça, merci! Ma chérie, c'est horrible! Il est arrivé quoi à ton lit? Pleure pas, papa! Je suis sûre que tu vas trouver une solution. T'es le meilleur! Oh, t'es trop mignonne! J'ai déjà une idée! Mate un peu ça! Voilà, je vais te construire un nouveau lit superposé. Qu'est-ce que t'en penses? Papa, non! Je suis trop vieille pour ce genre de lit. Voilà ce que je veux, regarde! T'es sûre? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Ok, bébé. Papa va te fabriquer ce lit. Un aimant géant. Voilà ce qu'il me faut. Mode bois activé. Et voilà! Nickel! J'ai chopé toutes les planches. Maintenant, on va s'occuper du lit. C'est un jeu d'enfant. Regarde bien mes mains. J'ai toujours voulu être un magicien. Un peu de ménage.
C'est bon, maintenant c'est nickel. On va faire de la place. Suffit d'enlever tous les trucs en trop. Et la touche finale! Excellent! Super Papa est prêt à construire. Wow, toutes ces planches! Bon, on va commencer à scier tout ça. Pfiou, bon travail! Voyons voir. Sérieux? Je dois changer de méthode. Papa a plus d'un tour dans son sac. C'est bon! Toutes les planches ont été coupées d'un seul coup. Moi aussi, je suis un pro. Prise de karaté sur les gaufrettes! Aouh! Vous allez payer pour ça, bande de gaufres ennemis! Allez, on se motive! Et maintenant, on va assembler le cadre. Hey, où est ma visseuse? Bon, on va le faire à l'ancienne. De la bonne vieille huile de coude. Oh, c'est dur! Il est temps de mettre ma brillante invention à l'épreuve. Allez, grille saucisse! J'ai inventé la visseuse à rôtir. Le cadre est monté. Les muscles de mes bras sont énormes. Et l'autre bras? Maintenant, on va s'occuper du revêtement. La clé, c'est de tout couper dans les bonnes mesures. Et de polir les finitions. Un pick-up a besoin de roues. Allez, rentrez là-dessous! Bon, maintenant, on va passer à la peinture. C'est quoi la couleur préférée de Mila? Celle-là? Oh, je sais, du rose! Et pour les roues? Elles sont trop pâles. Je sais! Les roues vont être jaunes. Ou vertes? Non, jaune, c'est bien. L'intérieur doit être confortable. On va attacher une couverture juste ici. Et sur la porte. Et par terre. Il est trop doux ce camion. Il n'y a vraiment pas plus cosy. Maintenant, on va amener le canapé. On dirait que je me suis plantée de taille. Un instant. Je connais une astuce numérique. Je prends une photo du canapé. Et maintenant, je swipe vers la gauche. Ça a marché! On est trop bien là-dessus! Mais il manque quelque chose. Un volant, voilà ce qu'il nous faut. Et un tableau de bord. Après tout, c'est un pick-up, pas un salon. On doit pas oublier le rétro. Mais on voit que la fourrure rose là-dedans. Ça va pas le faire. Comment j'ai pu oublier de mettre une fenêtre? Je sais qui peut m'aider. C'est une mission faite pour Deadpool. Et voilà, les amis! Faut pas que j'oublie d'installer un pare-choc jaune. Et les dernières pièces.
un petit Pégase. C'est une belle mascotte pour le pick-up de ma princesse. Et une roue de secours. Nickel! Et maintenant, on va installer le lit le plus douillet de toute l'histoire des camionnettes. Quoi? J'ai failli pas me réveiller? J'ai presque pas le temps! C'est parti! Nani! Oh, c'est vachement dangereux! Je dois ajouter des marches souples! C'est parfait! Et des peluches adorables! Quelques touches de couleur. Et des photos de la propriétaire. Piou! Ça m'a l'air terminé. Mila! Oui, papa? Wow! Oh, wow, ce pick-up est à moi? Mon princesse! C'est le meilleur lit du monde! Oh, toute cette joie me donne le mal des transports. Tu veux conduire? On y va, papa, plus vite! Je vais ruiner ton adorable camion. Activation du mode Nitro! Je jouerai plus jamais avec toi! T'aimes notre home cinéma dans le pick-up? Ce que j'aime encore plus, c'est le saut de pop-corn. J'ai une autre surprise pour toi. Le camion Barbie de tes rêves. Merci, papa, t'es le meilleur. Ce camping-car, c'est mon jouet préféré. Mes poupées adorent aller dedans. Mila, tu sais où se trouve mon autre roller? Je le cherche partout. C'est qui? Salut, je peux entrer? Salut! Nope! Hé, hey, attends! On est le 25 aujourd'hui! C'est la journée père-fille! Oh, c'est vrai, on est le 25! Très bien, entre! Mila, ton père est là! Papa, coucou! Tu m'as trop manqué! Mon trésor! On va aller dans la cuisine! Je pourrais bien trouver mon autre roller. Oh, un camping-car! Et il a des roues lui aussi! Parfait! Il me va comme un gant. C'est parti! Au! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est tombé? On va aller voir. Oh non, quel cauchemar! Bébé, t'es blessé? Oh non! Mon camping-car préféré! Bébé, pleure pas! Tu veux ce nouveau camping-car? Waouh! Oui, papa! Je t'achèterai tout ce que tu veux. Ou pas. 20 dollars, c'est tout ce que j'ai. Oh! Un vieux camping-car en solde. Ça me va, je le prends. Et ben voilà! Il est exactement comme sur la photo. Oh, il y a plein de déchets là-dedans. Bon, je vais juste devoir le nettoyer. Cette caravane est en ruine. Je peux au moins réparer la porte. Quoi? Wow! Ça va demander beaucoup plus de boulot que je le pensais. Bon, bah, je vais la retaper entièrement. Au travail, Max! Tu vas y arriver. Pour commencer, je vais jeter tous ces déchets. Et voilà! La caravane est vide. Bien, bien, bien. Max veut remettre cette caravane sur pied, on dirait. La porte et le mur? Vous êtes virés! Je vais ruiner son dur labeur. Jetez toutes vos ordures ici.
Okidoki. Quoi? Pourquoi il y a plein de sacs poubelles là-dedans? Mais qui a fait ça? Excuse-moi, je m'en vais. Oh non! Et le dernier sac. Piou! Quoi? Des toiles d'araignée? Oh, y en a tellement! Heureusement que je connais une bonne astuce de nettoyage. Adieu les toiles d'araignée! Nickel, j'ai tout viré. J'adore la barbe à papa! Quoi? C'est pas de la barbe à papa! Ah! Je vais installer de nouveaux murs. Nickel! Ça va aller beaucoup plus vite à plusieurs. Parfait! Je vais tracer l'emplacement des fenêtres maintenant. Magnifique! Mais maintenant, j'ai besoin d'une scie pour découper les fenêtres. On dirait qu'on a besoin de Superman ici. Une fenêtre. Et une autre. C'est impec. Oh, ok, ok. Une petite séance photo pour mes fans. C'est avec plaisir. Allez, je dois y aller les copains. C'était quoi ça? Hé, les amis. Vous avez vu qui a fait ça? Dites-le moi en commentaire, merci. Maintenant, je dois attacher des planches à l'avant. J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Oh, cool! Il est temps de peindre la caravane. Du bleu et du blanc. Mais il manque quelque chose. Mais oui, c'est vrai. Mila aime le rose. Comment je pourrais obtenir du rose? En mélangeant du rouge avec du blanc. Je suis vraiment un artiste. Et voilà! De belles rayures roses. Ouf! Mila va adorer son nouveau camping-car. Un pinceau? Non. Mais la poupée préférée de Mila? Bien sûr! Allez, on va continuer la peinture. Oh non, la poupée de Mila! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille va être trop triste en voyant que j'ai abîmé sa poupée préférée. Non, je dois trouver quelque chose. Installe-toi, ma poupée. Bienvenue au salon de Max, le coiffeur créateur. Waouh, jolie! Mila va adorer le nouveau style de sa poupée. L'extérieur du camping-car est canon. Mais l'intérieur est pas vraiment top-top. Comment je pourrais vite repeindre tout ça? Oh, mais cette idée, c'est de la bombe! Un seau de peinture et de la dynamite. On l'allume, on l'insère et on se cache rapidos. Comment ça se passe dans la caravane? Oh non! Je suis vraiment passée au mauvais moment. Waouh! La dynamite a vraiment fait du bon travail. La peinture est impeccable. Mais les amis, ne refaites pas ça à la maison. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Un tapis rose douillet et des coussins moelleux. Il manque rien? Mais si! Une porte rose! Je vais l'attacher en un clin d'œil. La porte est installée. Ow!
Waouh, mon pied! Des rebords de fenêtre? Un cadre? Des fleurs? Et des rideaux en tulle? Ça, c'est une jolie fenêtre. Je vais ajouter une clôture blanche devant le camping-car. J'ai presque terminé. Hé, la sortie est par là! Je vais faire un joli chemin avec des pierres, comme ça. Des chaises pour le patio, parfait. Et une jolie petite table de pique-nique pour aller avec. Qu'est-ce qui manque encore? Oh, je sais! Une piscine sur le toit. Mais comment on va faire pour aller dedans? Je sais, je vais mettre une échelle d'un côté. Et un toboggan de l'autre. Oh là là, Mila va adorer. Quoi d'autre? Et la lumière fut. Oh, lâchez-moi les ampoules! Et voilà! Il y a vraiment une super atmosphère. Les jouets préférés de Mila vont aller dans le camping-car. Eh oh, Barbie! Tu veux bien ouvrir la porte? Merci! Tout est prêt. Je peux appeler ma fille. Mila! Chérie, c'est ton camping-car maintenant. Waouh, papa! Il y a même un toboggan! C'est comment à l'intérieur? Oh, wow, j'aime trop jouer là-dedans! Il y a une piscine en haut! Tu veux aller voir? Attention sur l'échelle! Wow, papa, ce camping-car est incroyable! Je suis content que ça te plaise, bébé! Tu vas pouvoir jouer ici toute la journée!